Hey yo, salut tout le monde, c'est Kero, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce début de semaine, en ce lundi, voilà, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Et donc on est parti pour la troisième manche de l'AOR, l'Apex Online Racing, donc la saison 14 du championnat de F1 sur F1 2017. Et puis ben on est parti pour le Grand Prix de Bahreïn, voilà. Et la dernière fois, c'était le Grand Prix de Chine. Donc, c'était Bumsen qui l'a remporté sur As devant Visualize sur McLaren. Et troisième, TOR Pepsi, voilà, sur Toro Rosso. Et ben, les Mercedes, donc Degoro et moi, mon coéquipier Degoro et moi, on a fini 11e et 13e, voilà, hors des points après une course assez catastrophique. Voilà, déjà dès le départ, ça avait mal commencé pour moi. Je m'étais fait harponner en même temps, c'était un petit peu de ma faute, vous avez vu sur la vidéo. Donc voilà, je suis arrivé trop vite dans le premier virage, j'ai été trop ambitieux, on va dire. Et donc, du coup, le mec à droite ne m'a pas vu, il m'a touché, du coup ben j'ai eu l'ailette pétée, j'ai dû rentrer au stand, changer les pneus, et puis après ben j'ai fait un petit peu ma course, et changer l'aileron aussi. J'ai fait ma course un petit peu tout seul derrière, donc voilà. J'ai réussi quand même à remonter 11e, mais je finis hors des points. Et Degoro aussi a eu une course assez catastrophique, donc voilà. Il va falloir qu'on se réveille pour ce Grand Prix de Bahreïn. Donc au moment où je vous parle, la course n'a toujours pas été faite, n'a toujours pas eu lieu. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et donc oui, déjà la dernière fois j'avais oublié de vous montrer le calendrier, donc je vais faire ça maintenant, désolé. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié de vous montrer le calendrier. Donc et ben vous voyez que troisième manche à Bahreïn le 15 octobre, donc vous aurez la vidéo le lundi 16. Et ensuite vous voyez que la Russie sera le 5 novembre. Le 5 novembre, et oui, il y aura une pause de 3 semaines, donc ne me demandez pas pourquoi il y a une pause de 3 semaines, j'en sais rien, il faudrait demander aux organisateurs du championnat. Donc voilà, ils ont décidé de faire une petite pause de 3 semaines, et on se retrouvera donc le 5 novembre, enfin le 6 novembre sur ma chaîne pour le Grand Prix de Russie. Voilà. Et donc vous avez vu avant l'Australie le 1er octobre, la Chine le 8 octobre, et puis après vous avez le reste du calendrier. Et donc le championnat se terminera à Abu Dhabi le 18 mars, et donc vous aurez le 19 mars la vidéo si tout se passe bien d'ici là. Voilà. Et on va faire un petit point sur les classements pilotes et constructeurs. Donc c'est encore moi qui les a fait, qui a fait les classements en maison, voilà. Parce que sur le forum, ils ont toujours pas mis de classement ou quoi. Donc je sais pas s'ils vont faire des classements. En tout cas, moi, je les ai faits. Et donc vous avez ben, Bumsen qui est premier avec 50 points. Voilà, il a gagné les deux premières courses, donc l'Australie et la Chine. Donc voilà, il se retrouve avec 50 points. Ensuite vient TOR Pepsi, deuxième avec Toro Rosso, pardon, 33 points. Et ensuite Visualize 26, etc. Et donc nous 0 points, Degoro et moi sur Mercedes, voilà, 14e et 16e. Donc ouais, il va vraiment falloir qu'on se réveille, qu'on réussisse à marquer nos premiers points. Donc en espérant que ça soit à Bahreïn, comme je vous ai dit. Et donc au niveau des constructeurs, Toro Rosso premier avec 57 points, suit pas loin derrière As avec 50 points. Et ensuite vous avez McLaren 37, Sauber 24, etc. Et donc nous Mercedes 0. On est 9e et 10e dernier, Red Bull, voilà, avec 0 points aussi. Donc voilà les amis. Et aussi je tiens à préciser qu'au moment où je vous parle, la dernière mise à jour a été sortie. Donc c'est la 1.9. Donc voilà, en espérant que ça règle tous les soucis qu'il y a eu sur le multijoueur, les bugs, les lags, tout ça. Parce que pour l'instant, à l'AOR, on touche du bois, il n'y a pas eu de soucis. Enfin moi j'ai fait qu'une seule course pour l'instant, j'ai fait que la Chine. Parce que l'Australie, je rappelle que j'étais pas là, j'étais absent. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de soucis. Et par contre au CFF1, donc le championnat par ma team, la iSpirit, vous avez vu la Malaisie, ça fait 2 fois qu'on a essayé, 2 fois que ça lag, qu'on a annulé la course. Donc à voir mardi. D'ailleurs, il y a des choses qui se trament en interne au CFF1. Voilà. Donc j'y reviendrai ben mercredi pour la vidéo pour vous parler de tout ça. En tout cas, on est parti les amis pour cette troisième manche à Bahreïn, donc qualification courte, voilà, parce que la dernière fois je m'étais trompé, j'avais dit qualification complète, non, c'est qualification courte, voilà. Et puis ensuite ben, la course en 50%, et puis ben, essayer de faire une bonne course, Degoro et moi, on verra ça. Et puis ben, bon visionnage à vous, bonne qualif, bonne course, et puis je vous retrouve à la fin de la course pour faire le débrief comme d'habitude. Et donc et ben, on se dit à tout de suite les amis.
Et voilà les amis, le Grand Prix de Bahreïn vient tout juste de se finir. Donc victoire de Chesney devant TOR Pepsi et Craig Senna qui complète le podium. Et vous l'avez vu, moi je termine tout juste dans les points. Dixième, voilà, je rapporte le petit point de la 10e place pour Mercedes et puis pour moi. Et Degrau a terminé 14e, voilà, hors des points. Encore une course assez compliquée pour nous deux parce que vous l'avez vu dès le départ. Et ben déjà je partais 12e. Et ouais, dès le départ, j'ai voulu assurer, j'ai freiné plutôt que d'habitude pour pas que je rentre sur quelqu'un, quoi, que pas que je rentre en collision, voilà. Et bah, par derrière, ça m'est rentré dedans. Je sais pas, enfin, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Il faudrait que je revoie la vidéo de la course parce qu'au moment où je vous parle, ben, la course vient tout juste de se finir. Donc voilà, c'est un petit peu une réaction à chaud que je vous fais. Donc voilà, que vous dire sur cette course. Bah, vous l'avez vu, début de course assez compliqué. J'ai pété une ailette sur l'aileron, donc j'ai voulu rentrer au stand parce que dans les virages, voilà, j'avais du mal à tourner et tout. Donc voilà, j'ai préféré rentrer au stand, mettre des médiums. Et bon, vous le savez, avec les médiums, impossible d'attaquer, de revenir sur le peloton. Donc voilà, ça c'est un petit peu le remake de la Chine, ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai galéré avec ces pneus médiums. Et puis en fin de course, j'ai passé les super tendres et je commençais à revenir sur le peloton là cette fois-ci. Et voilà, donc ce qui m'a permis à terminer 10e. Mais bon, je crois qu'il y a eu un souci parce que je me battais avec Super Stüler là. Et vous avez vu au tableau des résultats, il a eu une pénalité de 5 secondes. Donc normalement, ce qui fait que normalement j'aurais dû terminer 9e. Donc je comprends pas pourquoi je termine pas 9e. C'est soit un bug du multi, soit je sais pas. Il faudrait que je revoie tout ça, mais normalement je termine 9e, voilà. Donc si vous avez des explications, n'hésitez pas à me dire, ça serait sympa dans les commentaires. Et donc eh ben, j'espère que cette troisième manche de l'AOR, la saison 14, vous aura plu. Et je rappelle que ben, la prochaine course, ce sera le Grand Prix de Russie dans 3 semaines. Voilà, notez bien dans 3 semaines et pas la semaine prochaine. Donc pour la. Là il y aura une petite pause de 3 semaines. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines, donc pour le prochain Grand Prix. Et puis ben ouais, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos pouces bleus, comme d'habitude, voilà, vous êtes top. Et on se dit donc à très vite les amis. Allez, salut!